On est ici aujourd'hui puisque Cartoon Cat et Sirenhead auraient été aperçus non loin de cette petite colline. Il s'agirait d'un géant Cartoon Cat et d'un géant Sirenhead. Pour l'instant, pas de nouvelles du Huggy Wuggy qui était devenu complètement géant. Et heureusement d'ailleurs, aujourd'hui, il s'agit seulement de Cartoon Cat et Sirenhead. Bon, je dis seulement, mais c'est clairement les monstres les plus terrifiants. Ils auraient été aperçus non loin de cette petite colline. On a reçu ce matin une notification des chasseurs de monstres. Derrière cette petite colline, il y a un petit bois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le drone et on va survoler la zone à la recherche de Cartoon Cat et Sirenhead. En vrai, déjà dans un premier temps, on peut monter en haut de la petite colline. Vas-y. Pour voir et bien simplement le petit bois et voir si déjà à l'œil nu on arrive à apercevoir Cartoon Cat et Sirenhead. Normalement, ça devrait pas être très compliqué puisqu'apparemment ils sont géants. Genre vraiment, ils mesurent 10 mètres de haut. Du coup, vraiment, c'est un truc de fou. Allez, let's go. On escalade cette petite colline et vous allez voir derrière, il y a un petit bois, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais, y a un petit bois, je crois. Ouais, derrière. C'est ça. Le mec en fait nous a envoyé la notification sur les chasseurs de monstres ce matin. Il nous a dit ça. D'ailleurs, j'en profite le temps qu'on est en train de monter la colline pour vous dire de vous abonner et d'activer la cloche d'notification à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de faire partie de l'organisation très secrète des chasseurs de monstres. Si tu veux en faire partie, t'as juste à t'abonner et activer la cloche de notification. À 10 000 pouces bleus aussi, ce que je fais, c'est que j'essaie de vraiment rechercher à nouveau Huggy Wuggy géant qui devrait mesurer quasiment un petit immeuble désormais, vu la vitesse à laquelle il grandissait. Let's go, on arrive en haut et voilà un petit peu le petit bois dont je vous parlais. Voilà, on le voit un petit peu à l'image, on le voit ? Ouais, on le voit, ouais. Donc voilà, c'est par ici que... Les abonnés, on vous reprend, il y a une petite coupure. Alors vraiment, on va vous expliquer, c'est vraiment étrange. En gros, on était en train de filmer, tout se passait bien. L'appareil, il était full batterie. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu Sirenhead, genre un bruit de Sirenhead, mais genre lointain, qui venait de la forêt là-bas, qu'on commençait à vous montrer. Et à ce moment-là, eh bien, l'appareil a arrêté de filmer et impossible de le rallumer. Donc bon, j'espère qu'il va se rallumer, etc. Plus tard. Mais là, c'est vraiment étrange. Ce qui fait qu'on va continuer la vidéo au portable. C'est un peu dommage. Tiens, je te file l'iPhone. Ouais. Bon, du coup, je vais ranger ça à l'intérieur de ton sac. Donc malheureusement, aujourd'hui, cette vidéo va être faite au portable. Mais ça prouve bien qu'il y a Sirenhead non loin d'ici. Maintenant, il suffit de le trouver. Voilà, c'est toute la complexité de la chose. Il va falloir trouver Sirenhead. On l'a entendu, il est là, mais comme vous pouvez le voir, de nos propres yeux, on n'arrive pas à le voir. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le drone, on va le faire monter très très haut, et on aura une vision d'ensemble où on va pouvoir chercher Cartoon Cat et Sirenhead. Donc c'est parti, on va retourner la voiture, et on va tout simplement sortir le drone à la recherche de Cartoon Cat et Sirenhead. J'ai un petit peu les boules puisqu'on venait de nettoyer l'appareil photo que j'utilise habituellement, celui que je vous ai montré juste avant. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais lors des dernières vidéos, c'était un petit peu flou. Puisqu'en fait, on n'avait pas nettoyé l'objectif depuis super longtemps. Donc là, on allait faire une superbe vidéo. Mais malheureusement, bah ça coupe à cause de Sirenhead, j'ai l'impression. Donc on va continuer à l'iPhone. J'espère que ça vous dérange pas trop. Là, vraiment, on va chercher le drone, on va le positionner là. Et on va le faire voler et on va survoler la zone à la recherche de Cartoon Cat et Sirenhead. En vrai, vu la taille de Sirenhead et Cartoon Cat, ça sert à rien d'aller explorer là-bas. Voilà, on ira si vous me le demandez en commentaire. Mais pour l'instant, ça sert à rien d'explorer ici. D'ailleurs, il y a un chemin juste ici, pareil. Je viens de prendre le drone. Du coup, on va l'installer juste là-bas. Hop, sur le chemin. Là, j'ai fait un petit chemin, regardez. On traverse cette zone. On va installer le drone à la recherche de Cartoon Cat et Sirenhead. J'espère vraiment qu'on va les voir. Apparemment, ils sont vraiment géants. Ça devrait être incroyable à voir. Donc, j'ai vraiment hâte. Cette fois-ci, on n'oublie pas d'enlever le cache. Voilà. En espérant aussi que le drone se crache pas, puisque voilà, il y a eu des interférences avec l'iPhone dues au cri de Sirenhead. Donc là, j'espère vraiment que voilà, ça va pas faire crash le drone. Ce serait vraiment dommage. On va suivre ça tout au long de cette vidéo. Donc, let's go. Hop, je mets les petites ailes. Voilà, et on va pas tarder à le démarrer. Hop, voilà, let's go. L'installation de la carte SD et notre drone est enfin prêt. Par contre, j'ai oublié une chose, j'ai oublié la télécommande. Du coup, je retourne la chercher. C'est bon, le drone est prêt à décoller. Donc c'est parti, décollage imminent. Let's go, voilà. Le drone est à bonne hauteur. On va le faire encore monter largement. On va déjà monter encore un peu plus, voilà. On le voit, alors mon téléphone est extrêmement sale. Je vais commencer à allumer le record. Let's go. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre eh bien, à l'intérieur de ma voiture. Et on va regarder tout simplement tout ça à l'intérieur de ma voiture. Allez, c'est parti, on y va. C'est bon, du coup, on va le faire voler un petit peu plus haut. Let's go, voilà, hop, et on tourne. Et là, on va apercevoir la colline, voilà. On la voit juste ici, on va baisser un petit peu la caméra. On la voit ici, voilà. D'ailleurs, elle est moins impressionnante à grimper avec une vue du drone. Hein. Let's go, on va monter du coup un peu plus haut et on va regarder. Ok, ah ouais, d'accord, il y a une grande descente après. Alors nous, on connaît pas vraiment la zone, hein. C'est la première fois qu'on se rend ici. Et franchement, c'est assez stylé de voir ça. Let's go. On voit vraiment du coup la colline. Et on va avancer. D'ailleurs, il y a des gens, j'ai l'impression, qui sont là. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas été effrayés par Cartoon Cat ni Sirenhead. C'est plutôt mauvais signe. En vrai, de vrai, c'est pas un super bon signe.
Mais voilà, on va quand même essayer d'observer un petit peu, tout simplement, voilà, s'il y a des choses ou pas à observer. Donc là, regardez, il y a le petit chemin, en fait, c'est là dont on vous parlait, c'est possiblement là où il se planque, en fait. Regardez, dans ce chemin d'arbre là, voilà. Regardez, en fait, il y a un grand chemin d'arbre là, voilà, juste ici. Tout le chemin d'arbre, et ben c'est potentiellement là où il se planque. Et si on monte encore un peu plus haut, vous allez voir, on voit le lac. Regardez le lac où on avait vu Sirenhead et Huggy Wuggy la dernière fois. On le voit tout en haut à gauche. Je sais pas si vous arrivez à l'apercevoir. On va monter un petit peu la caméra, vous allez voir. Je pense qu'on va mieux voir. Let's go. On le voit juste ici. Donc voilà. Et en gros, là, on a le chemin avec tous les arbres. Donc voilà, c'est juste ici. Voilà, maintenant le but vraiment, ça va être de trouver, hein, de trouver ce Sirenhead et tout simplement ce Cartoon Cat. Mais c'est vrai que pour l'instant, on voit pas grand chose. Donc on va baisser un petit peu la caméra. Ok, là on survole la zone. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant. Let's go. Tout en survolant par là, il y a des choses étranges un peu. Il y a. Oh, je sais pas si vous voyez, on va zoomer dessus. Ah, ok, c'est l'air d'être passé. C'est de l'eau, ça passe sous un. Je sais pas, il y a un petit cours d'eau en fait qui passe sous un. Oh, regarde là. Il y a un tunnel. Là, il y a un tunnel. Attendez, hop, je vais tourner vers le tunnel. Regardez, il y a un tunnel juste ici. On va relever la caméra. Alors, ça passe juste au-dessus de la 4 voies. Mais potentiellement, c'est là où ils pourraient se planquer. Alors, après, ils sont super grands, comme je vous l'ai dit. Mais en vrai, s'ils s'allongent dessous, ils pourraient se planquer là. Mmh. Ça pourrait être carrément un endroit où on peut aller tout simplement. Avec le drone, donc voilà, ok. Et après, ce sont des champs, il y a le petit endroit là-bas avec des arbres. Pour l'instant, on voit vraiment rien. Il n'y a pas de traces de Sirenhead, il n'y a pas de traces de Cartoon Cat. Si je vous ai publié la vidéo, c'est que forcément, on les a vus. Donc voilà, je dis pas ça dans le vide, c'est que forcément, on les a vus. Donc voilà, bon, maintenant, il suffit de les trouver. Sans doute qu'on va les trouver sur ce drone et après, on ira les voir du coup en vrai. Mais pour l'instant, on trouve pas grand-chose. Alors, potentiellement, à la vue du drone, ils se sont cachés dans le petit tunnel, hein. Vraiment. D'abord, regarde, il y a des terrains là-bas. Oui, un terrain de rugby. On aurait pu les voir sur le terrain de rugby. Mais moi, vraiment, je pense que c'est possible qu'ils soient mis dans le petit tunnel. Attends, le tunnel était là-bas. Ouais. Le tunnel, il est bien juste ici, j'ai l'impression. Là, regardez, en gros, c'est la colline. Juste ici, c'est la colline qu'on venait d'escalader. Et là, regardez, c'est ce dont on vous parlait, le tunnel. Le tunnel, potentiellement, ben, il pourrait se cacher à l'intérieur. Du coup, après, se cacher à l'intérieur, est-ce que... En fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas, on sait pas, vu que c'était notification des chasseurs de monstres, c'était quelqu'un qui les a vus. Nous, il nous a dit à peu près 8-10 mètres. Est-ce que c'était vraiment cette taille-là ou alors est-ce qu'il n'avait pas trop de notion de grandeur et en final il mesure 4 mètres? On ne sait pas trop. En tout cas, on cherche et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On va vraiment se mettre en vision comme ça pour peut-être aller voir au-dessus du chemin. Tiens, ça peut être intéressant d'aller voir au-dessus du chemin pour déjà vérifier s'ils ne sont pas au-dessus du chemin, tu vois. Ah, le problème, c'est qu'on voit vraiment rien. Je ne sais même pas si on va pouvoir voir le chemin. On voit le chemin vite fait. On voit pas grand chose. Parce que regardez, c'est vraiment dans cette masse d'arbres là, il y a un chemin en fait. Il pourrait se cacher là aussi potentiellement. Le problème, c'est qu'on voit vraiment pas grand chose. Hein. Et on arrive du coup au bout du chemin quand on n'y arrive pas. Le chemin est très grand. Vraiment, il pourrait se planquer là. Alors après, ça va être à nous de faire un choix. Est-ce qu'on va plutôt vers le tunnel ou alors est-ce qu'on va plutôt vers le chemin? Ah, regardez le chemin. On le voit là. Il y a des gens. Ah, il y a des gens qui sortent du chemin. On les voit sortir du chemin. Donc c'est qu'ils ont pas croisé de Cartoon Cat ou Sirenhead. Sinon, non, ils seraient clairement pas là. Hein. Ils seraient en train de courir à fond. Ok. Donc ça nous précise un petit peu plus les choses. Ça veut dire qu'à mon avis, ils sont pas dans ce grand chemin d'arbre. Voilà, ce grand chemin d'arbre que je vous ai filmé juste avant. Je parle évidemment de ce grand chemin d'arbre là. Voilà. Que je viens de vous filmer. Voilà, potentiellement, ils sont pas du tout ici. On retourne du coup survoler la colline qu'on vient de survoler. Let's go. On va baisser un petit peu, voilà. C'est celle-ci, hein. C'est exactement celle-ci. Voilà, on va la survoler à nouveau. Vraiment pour voir s'il n'y a rien à l'intérieur. Oh, regarde d'ailleurs, on voit les petits chemins. On voit les petits chemins qu'on a survolé tout à l'heure. Enfin, qu'on a survolé tout à l'heure, n'importe quoi, qu'on vous a filmé tout à l'heure, regardez. On va bien observer si au-dessus de cette colline-là, il n'y a rien. Parce qu'en vrai, il pourrait se planquer là aussi. Hein. Le chemin qu'on a emprunté tout à l'heure, voilà. Le chemin qu'on a emprunté tout à l'heure, qu'on a monté, c'est celui-là. Voilà, et pour l'instant il n'y a rien. D'ailleurs il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui se baladent. À mon avis vraiment ils se cachent dans le tunnel, hein. Pour moi vraiment la cachette est dans le tunnel. C'est ça qu'on va devoir aller observer. Cette cachette dans le tunnel, à mon avis, pour moi c'est ça. En vrai on va essayer d'aller voir dans le tunnel justement. Si on peut aller voir en fait avec le drone ou alors si c'est trop compliqué. Et on va devoir y aller en filmant à l'iPhone. C'est ça aussi qu'on va devoir voir. Donc le tunnel, il est juste à droite ici. Est-ce qu'on va pouvoir voir en baissant un petit peu le drone? Le problème, c'est que je veux pas m'approcher trop de l'autoroute avec le drone parce que c'est dangereux. C'est très compliqué. Hein. On n'arrivera pas à voir. À mon avis, il va falloir y aller le voir de nos propres yeux. D'ailleurs, ça servira à rien qu'on fasse le tour de... qu'on remonte la colline. Hein. On va s'épargner un petit peu de poumons. De notre cardio. Ok, le signal est faible. Ok. Oh là, signal est faible. Ok, alors vous le voyez peut-être pas, vous, à l'image, mais j'ai un signal faible qui est annoncé. Donc là, je pense qu'il est temps de faire revenir le drone. Puisque tout simplement, le problème, c'est que j'ai pas envie que ça refasse exactement comme avec la caméra, qu'on ait un problème et qu'on puisse plus filmer. Ça, ce serait vraiment horrible. Du coup, à mon avis, juste voir où est-ce qu'on est à peu près. Ok, la colline est juste ici. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour. Je vais faire un retour tout simplement. Voilà. Let's go. On le fait retourner à domicile. On va le faire revenir. Donc, on va sortir de la voiture.
En tout cas, eh bien, il reste une solution pour les trouver, c'est le tunnel. Et on va aller le voir, de toute manière, on va aller le voir ce tunnel. Donc let's go, je vais stopper le rush ici. Donc voilà, c'est bon, je pense, des deux côtés, c'est bon, on va pouvoir stopper ici. Du coup, plutôt que réescalader la petite colline, on va passer directement par là-bas. Voilà, vraiment, je m'excuse encore pour la qualité de cette vidéo aujourd'hui, faite à l'iPhone. C'était absolument pas prévu. J'espère que le cri de sérénade a pas trop endommagé l'appareil. Normalement, ça devrait le faire, j'espère. Ouais, j'espère en tout cas. J'espère en tout cas, parce que bon, ça coûte cher quand même ce matos. Donc voilà, let's go. Regardez ici, il y a un petit chemin à travers les bois. D'ailleurs, on n'a pas trop observé, mais carrément, il pourrait se cacher dans ces bois-là. Hein. Ouais. Ah ouais, de ouf, en vrai. J'ai même pas remarqué en fait tout à l'heure en survolant en drone. Non plus. Cette petite zone d'arbres qui pourrait être un endroit où potentiellement, eh bien, il y a Sirenhead et Carton 4. En plus, regardez ce petit bois. Genre, il est entouré de ronces. Ça veut dire de ronces et c'est une plante qui pique, ça. Regardez avec les petits bourgeons jaunes, les petites fleurs jaunes. Genre, vraiment, c'est carrément compliqué d'accès. Il y a des ronces, il y a. C'est bizarre, hein. Ouais. On dirait tout pour qu'on puisse pas y accéder. On observe quand même un petit peu à l'intérieur pour voir. Hein. En fait, c'est la nature qui a repris le dossier ici. Ah, là, clairement. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien du tout. Ouais. Du coup, genre, c'est très difficile d'accès. Ah, là, on peut y accéder quasiment. On peut peut-être accéder par là. Est-ce qu'on y va ou pas? Remarque, en vrai, j'ai du mal à croire qu'il serait là. Hein. En vrai, on voit à peu près bien le bois. Ouais. Après, il y a des ronces et tout. Hein. Vu la taille, normalement, qu'ils sont censés faire, ouais, eh ben, on devrait les voir. Donc, pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. J'observe quand même à travers. Là pour voir bien, mais à travers les rayons du soleil, normalement on voit à peu près, donc ça devrait le faire. Le tunnel, normalement, il devrait être par là-bas lorsqu'on tourne, il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, apparemment, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, on l'a vu auprès du drone où c'était. Donc normalement, en fait, on finit le chemin et ensuite à la droite, il devrait y avoir le tunnel où potentiellement il y a Carton 4 et Sirenhead. Du coup, let's go, on va aller checker ça. Et la petite chose inquiétante, c'est que tout à l'heure, quand on filmait au drone, il y avait plein de personnes et là, il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. Plus personne, on est seul dans la zone. On entend juste les voitures qui passent sur la route qui est à côté, mais il n'y a clairement plus personne. On arrive du coup sur une zone plate, voilà, cette zone-là. Et le tunnel, normalement, il doit être. Alors, pas encore après, je pense. Il est peut-être un peu plus bas. Ouais, il est un peu plus bas encore. Il est un peu plus bas. Ouais. Du coup, ouais, on va descendre par là. Donc on fait. Ça, regarde, là, on est juste en bas de la colline. Ah oui, on est en bas de la colline. Ah oui, du coup, ça veut dire qu'en vrai, c'est quand même carrément plus loin. Donc en vrai, on va se dépêcher d'y aller. On se dépêche. Et on vous reprend après une petite ellipse. Les abonnés, on est juste à côté du tunnel. Il est juste derrière. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller observer tranquillement pour voir. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu qu'il était parti. Oh. Ah ouais? Littéralement, je l'ai vu partir. En gros, j'ai vu une grosse patte, genre une patte blanche passer juste là. Enfin, genre des pattes en fait. Ok, alors il va falloir descendre. Comment est-ce qu'on descend ici? Ça va être chaud par là, je pense. C'est chaud, il va falloir faire le tour. Ouais. Ok, on fait le tour. On se retrouve juste devant. Let's go, on se dépêche. Je suis presque sûr d'avoir aperçu soit Carton 4. Je pense que c'était Carton 4. Il sortait du tunnel. Genre, il a dû nous entendre arriver. Potentiellement, il est juste à gauche. Il va nous surprendre. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Il est pas ici. On va avancer à gauche, peut-être qu'il est là-bas. Il vient de passer le virage. Il est juste ici, regardez comme il est grand. On fait quoi? On fait quoi? Viens, on prend le tunnel. Ok, on va prendre le tunnel. Ouais. Let's go. Il n'y a pas de Sirenhead par contre. Non. Sirenhead, il n'est pas là. Regarde, il y a Sirenhead. Il est juste là. Il est énorme. Go. On les a vus. On les a vus. Est-ce qu'ils sont encore derrière? Non. Bonjour, il y a Carton 4 qui passe le tunnel. Il est là. Go. On a littéralement vu successivement Carton 4 plus Sirenhead. C'est bon, les a vus. Les abonnés, on va prendre la voiture et se casser d'ici. Vraiment, on a vu ce qu'on avait à voir. C'est un truc de fou. Alors pourquoi les monstres grandissent en ce moment? Dites-moi vos théories en commentaire. Là, on va se dépêcher de partir. Let's go. Désolé encore pour la qualité de cette vidéo à l'iPhone. Je ferai mieux la prochaine fois. On va essayer de réparer l'appareil photo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, je vous aime et à très très vite.